rencontre, il y a Morgan Cadignan. Ah, oui. Et Morgan Cadignan ne vous aime pas, Nathalie Péchala. Nathalie Péchala, je vous aime pas. Je vous aime pas parce que c'est la dernière fois que j'ai essayé de faire du patin à glace, je n'ai pas eu non un, ni deux, mais trois points de suture. Les amis, c'est chaud ce sport. Et la glace qui l'eût cru, ça coupe. Franchement, quand on voit la technique que ça demande ce sport, on comprend pourquoi vous avez plus le temps de trouver des costumes de bon goût, quoi. Honnêtement, Nathalie, respect, parce que vous avez quand même une mentalité de championne. Alors le patinage, c'est pas pour moi. La glace, franchement, après ce qu'elle a fait à mon coude et au Titanic, je pardonne pas, c'est mort. Moi, la patinoire de ma ville, là où j'ai grandi, c'est l'endroit où on se retrouvait entre jeunes pour draguer. Parce qu'après tous les films de Noël qu'on a vus, on a réussi à croire que c'était stylé. Vous savez, cette fille de la ville qui travaille pour une banque et qui est esclave de son téléphone et qui réussit à boire des macchiatos à longueur de journée en gardant un transit normal, qui retourne dans sa ville d'enfance où elle recroise un vieil ami, maintenant veuf et vendeur de sapins. Bon, l'histoire ne dit pas que sa femme est morte parce qu'elle est passée dans le broyeur à sapins, mais on s'en fout, c'est Noël. Il a du mal à s'ouvrir aux femmes depuis. Il met toute son énergie sur Cazet, sa fille de 7 ans et demi, espiègle et précoce, qui pose des questions pas de son âge, genre « Tu l'aimes bien mon papa? Tu vas vivre avec nous? Comment Big Pharma profite de notre santé pour augmenter ses profits? » Plutôt chiante, la gosse. Mais pas grave, la fille de Chicago et le vendeur d'épicées à 90$ tombe amoureux. Et tout ce petit monde se retrouve à patiner gaiement sur la place du village le soir de Noël, où Cazet confie que tout ce qu'elle voulait en cadeau, c'était une nouvelle maman et un vaccin qui provoquerait pas d'encéphalite du système nerveux central. Ta gueule et patine. Voilà, pour moi, c'est ça le patinage. Donc quand je me rends compte à mes dépens qu'il faut de la technique et que ça vient pas miraculeusement avec le chocolat chaud à la cannelle, excusez-moi, mais forcément, ça m'a dans votre livre Les bénéfices du doute, vous parlez de Monsieur Doute qui vous a accompagné à chaque compétition tout au long de votre carrière, un adversaire devenu complice qui vous a fait finalement grandir et gagner. Alors moi, super déçu, je vais au bout du bouquin en me disant qu'il y a un gros twist à la fin et que Monsieur Doute, en fait, c'est un vrai mec et que ça se trouve, c'est votre inspecteur des impôts. Et non, c'est vraiment le doute, le sentiment. Du coup, nul, c'est un livre avec une morale et comme j'ai déjà lu la Bible, ça m'intéresse pas. Mais ça m'a fait réfléchir. Moi aussi, j'ai un Monsieur Doute dans ma tête, sauf que vraiment, je lui fais confiance, mais à 150%. Parfois je lui dis on devrait tenter ça, il me dit oh t'es sûr, et je réponds j'avoue non, fin du projet. Écoutez, le problème de mon Monsieur Doute à moi, c'est que je crois qu'il fume beaucoup de weed, et en plus il est marié avec Madame Flemme et ils ont un enfant, le petit pessimisme, un petit blond avec une tête de con mais qui dit pas que des conneries, c'est ce qui le sépare de Jérémy Crédville d'ailleurs. Honnêtement, je pense que si parfois je me motive un peu plus, je pourrais devenir peut-être députée européenne ou au moins avoir les cheveux propres ce matin. Merci Morgane Cadignan.